Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, il est 7h35. Georges est parti pour l'école, mais je ne suis quand même pas toute seule puisque Enzo est là. Voilà, voilà. Est-ce qu'il va rester là maintenant? Est-ce que c'est définitivement fini avec sa copine ou pas? Je ne sais pas. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Donc, je crois que je vais commencer tous les vlogs en disant que le bruit de fond que vous entendez actuellement, c'est mon poêle à pelet. Voilà, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas me geler les miches toute la journée juste pour vloguer. Ça sera comme ça jusqu'à ce que la température se réchauffe ou jusqu'à ce que je gagne au loto et que je puisse me payer une maison dans un pays très chaud où je n'aurai plus besoin de poêle à pelet. Mais pour l'instant, je ne peux absolument rien faire parce que j'ai eu un commentaire du genre « Dommage pour le bruit de fond sous mon dernier vlog ». Alors, il n'y a rien de méchant. Hein. Mais voilà, je ne l'avais pas précisé dans ce vlog-là et du coup, je vais devoir le préciser dans chaque vlog jusqu'à ce qu'il fasse bon. C'est mon poêle à pelet qui tourne et il y a le bruit de la soufflerie. Je ne peux absolument rien y faire. Voilà. Donc, petit programme de la journée. Je dois tourner ma vidéo aujourd'hui de vendredi, que vous aurez déjà vu, oui. Parce qu'il faut absolument que je la tourne aujourd'hui, vu que le reste de la semaine, il n'y a qu'aujourd'hui que je suis en congé. Le reste de la semaine, je vais aller emmener les petits de mon frère à l'école. Donc, c'est debout plus tôt, courir, et puis après, le temps que je revienne et tout ça, il est presque 9h. Et ensuite, mon frère ou ma belle-sœur vient récupérer la voiture au bout de... Enfin, quand ils ont fini leur journée de travail, quoi. Oh là là là, c'est le matin. Donc, je dois attendre après qu'ils viennent récupérer la voiture. Et ça me laisse peu de temps pour faire ce que j'ai à faire entre la maison et les vidéos. Je suis toujours avec ma petite tasse de café. Donc le reste de la semaine, à part emmener les petits à l'école, je ne sais pas du tout comment va se dérouler la semaine. Je ne sais pas si DJ va passer, il faut que j'envoie un message pour voir comment est-ce qu'elle travaille, si elle passe ou quoi que ce soit. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, je vais aller brosser mes dents, faire mes soins du matin. Comme ça, après le temps que ça pénètre et tout ça, je peux me lisser les cheveux. Puisque hier, je les ai juste lavés, mais pas avec la gamme Curl de Action. Bah, j'ai pas trop de frisottis, là, j'ai l'impression. Bon, à part mes deux mèches de cheveux cassés, là, hein, mais ils repoussent pas, ces cheveux-là. Regardez, je peux absolument rien y faire. Donc, voilà. Voilà, voilà. Le nouveau décor, c'est pas mal non plus avec ma petite fée, comme ça. Voilà. J'ai dû changer ma couverture ici, puisque mon fils Enzo a pris l'autre. Donc là, j'ai une Playboy qui cache le pouf du canapé. Oh, vivement que j'ai des sous, que je puisse changer ce foutu canapé, là, qui est craqué, et dégueulasse. Il me sort par les trous de nez. À moins que mes beaux-parents, ma belle-sœur changent de canapé entre-temps. C'est de la récup, hein. On vit dans la récup, bon, beaucoup. Hein. Donc, on récupère pas mal de meubles. Mais bon, après, comme il est fort utilisé chez nous, surtout par le chien, du coup, il est souvent sale et il craquelle et tout ça. Après, on les récupère, ils ne sont pas toujours dans un état nickel non plus. Mais ça aide toujours bien. Je vais peut-être un peu voir avec ma belle-sœur si elle revendrait pas le sien. Bref, rien à foutre. Hein. Bah ouais, je sais. Mon homme a acheté des pelets, d'ailleurs, parce qu'on n'en a plus beaucoup. Il y a le linge qui est en train de sécher, donc vous l'aurez en fond quand je serai sur le PC. C'est magnifique. C'est... magnifique. Et bon, avec le temps qu'il fait, il met du temps à sécher, même juste en face du poêle à pelet. C'est chiant. C'est chiant. Et comme on a le sèche-linge qui a rendu l'âme, on a tout qui est en train de pourrir chez nous. On a le sèche-linge qui a rendu l'âme, la machine à laver qui est en train de rendre l'âme. En fait, elle nous fait sauter les plombs à chaque fois qu'elle est sort. Donc, dès qu'elle est sort, on doit vite aller remettre le teco pour pas que tout s'arrête dans la maison. On a le four qui nous a lâché aussi, le four encastrable. Le canapé qui est en train de nous lâcher aussi. C'est merveilleux, merveilleux. Ma vie est géniale. Donc tout ça, faut des sous et on ne pourra pas tout racheter d'un coup. Donc il faudra faire dans l'ordre de priorité. Donc la priorité pour l'instant, c'est la machine.
à la vie, parce qu'on peut pas rester sans laver le linge. Sans sèche-linge, on vit avec depuis quelques mois déjà, donc on s'en sort. Ah, ensuite, il y aura le four, je pense. Je peux pas me faire de pâte au gratin, les gars. Ça, c'est chiant. Et puis, sèche-linge, le canapé, c'est plus du luxe. Hein, tant qu'on peut poser notre cul dans la télé, j'ai envie de vous dire. Vive les plaids. Je rachèterai peut-être des nouveaux plaids, hein, ces quatre, pour bien mettre tout le canapé, des plaids partout, pareil. Et voilà. Donc, je suis contente de voir que le vlog de la semaine dernière, donc, qui est sorti hier pour moi, mais qui était la semaine dernière pour vous, vous a encore bien plu. Pourtant, c'était vraiment que de la papote. Ça risque d'être comme ça tout le temps, hein, puisque je vous dis, ma vie, je fais pas grand-chose. Donc, voilà. Hormis faire mes vidéos et répondre à vos commentaires et de temps en temps la visite de DJ ou de mon frère, je sors pas de la maison, j'ai personne d'autre qui vient, donc forcément, il se passe pas grand chose. Aujourd'hui, c'est le premier jour, enfin, le décompte a été fait de la monétisation et je vais pouvoir mettre, grâce à vous, 163 € de côté de monétisation ce mois-ci. Donc, merci à vous. Et voilà, il n'y a rien d'autre qu'à bouger. J'ai refait quelques ventes Vinted, mais là, j'ai déjà décompté 30 € et il me reste encore 85 €, je crois, à décompter. Donc, tout ça va sur le compte épargne pour mettre de côté pour mes dents. Il y a toujours la cagnotte Tipeee qui est active au cas où vous voudriez m'aider autrement. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure. Quand, je ne sais pas. Je vais peut-être me lisser les cheveux avec vous en me mettant sur le canapé et en regardant Esprit Criminel sur la télé plutôt que sur le PC. Pourquoi pas? Je pense qu'on va faire ça. Là. Walking on a straight line through the madness. Everything around me, oh, it fades away. Non mais regardez-moi cette tête de petite déprimée. Oh, qu'est-ce que veut la chicorée? Tico Bambino? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais arrête, arrête. Oh, oh, ça c'est de l'agression. Je me fais agresser les gars. Je vais attendre que la voiture elle passe. Donc voilà, je viens de finir mon swatch et le make-up. J'aime beaucoup ce make-up aussi. C'est pas un truc de foufou. En ce moment, je suis fort vert et marron. J'aime beaucoup. Enfin, j'ai toujours aimé le vert et le marron associés ensemble. Mais voilà. Et le rouge à lèvres, j'aime beaucoup aussi. Bref, donc c'est. Enfin, de toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo. Hein, c'est le Deep Pocket des mini Jeffree Star, comme ça, que j'ai eu en cadeau de Noël de la part de DJ. Je pensais qu'il serait un peu plus marronné. Il me semblait qu'il y avait un marron, un vrai marron. Mais il tire quand même. C'est un marronné un peu kaki comme ça, c'est trop beau, trop beau. Tu vois bien que mon pull aussi. Bref. Voilà, maintenant je vais aller faire pipi, me refaire encore un litre de café, enfin 500 ml de café. Il est 10h16 pour info, j'ai... j'en suis à l'épisode d'Esprit Criminel avec Luc Perry dedans. C'est trop triste à regarder. Déjà que l'épisode est triste en soi, mais vous savez, c'est quand il est membre, enfin chef d'une secte, là. C'est très dur à regarder en sachant qu'il n'est plus là. Voilà, après Luc Perry, c'est toute mon enfance, toute ma jeunesse. Bref, donc le prochain swatch and make-up que je vous fais, c'est avec la Just My Look, donc ce sera encore du vert. Hein.
vous étonnez pas, mais elle est vraiment très jolie. J'ai hâte de plonger mes petits pinceaux dedans. Et je pense que celle-ci avec la Yoda doivent bien, bien, bien se compléter. Aussi bien pour les marrons que pour les verts. Voilà, on sait déjà que c'est celui que je mettrai en coin interne. Voilà, j'ai hâte de tester ça. Là, j'ai testé aussi les fossiles Boozy Shop et pour l'instant, j'en suis contente. La colle Kiss aussi pour les fossiles. Il faudrait peut-être bien que je nettoie un peu ma pince parce qu'elle colle, c'est chiant. J'agrippe toujours, je ne sais pas comment, même avec une colle, avec un petit embout, j'arrive toujours à foutre de la colle plein le fossile. Je suis une grosse porcine quand je fais, quand je mets des fossiles, moi. C'est un truc de fou. Je ne sais pas faire ça sans faire à la manière porcinette. Bref. Je vais ranger mon petit bazar et puis voilà, on se retrouve en bas. Je ne sais pas quand. Là, je vais décrocher et peut-être bien attaquer le montage tout de suite puisque je ne laisse jamais traîner mes rushs parce que c'est toujours le meilleur moyen pour moi de les supprimer et de faire une catastrophe et de devoir tout recommencer. Voilà! On m'a demandé comment j'enlevais les saureurs de mes produits liquides comme ça, anti-cernes, fond de teint, quand il y en a, les bases à paupières et tout ça. Donc je vais vous montrer, c'est pas bien compliqué. Une fois que vous avez un peu moins de matière, oh il y a un poil. Que vous avez un peu moins de matière que ce que vous appréciez sur votre embout, moi je prends une pince coupon comme ça, avec une lime à ongles en métal dedans. Alors je commence. Alors il faut un mouchoir en papier, hein, parce que sinon vous allez en avoir partout. Je commence par essayer de pousser sur les côtés pour pas trop dégueulasser la chose. Mais souvent ça ne fonctionne pas. Ah ben là ça va aller. Il suffit de l'aplatir un peu et de tirer en même temps. Et voilà. Et du coup vous savez récupérer plus de produits. Après, il faut juste faire attention parce que voilà ce qui se passe quoi. Vous en avez beaucoup plus après l'embout, donc c'est à vous de jongler après, de racler les bords et tout ça si vous n'aimez pas qu'il y en ait donc là, trucs. Il est midi 12, je viens de finir le montage de cette vidéo de ce swatch and make-up. Donc là, je vais, en attendant que ça enregistre, bon après c'est une vidéo de 13 minutes je crois, donc ça enregistrera potentiellement plus vite que d'habitude. Je vais aller faire pipi. Encore, il faut que j'arrête de boire mes cafés par 2000 litres, hein, parce que je suis une vraie fontaine. Je vais manger un bout aussi. Donc là, il reste des spaghettis d'hier, des spaghettis blancs. Donc je vais mettre un peu de beurre et plein d'aromates dedans. Et du parmesan, voilà. En regardant mon esprit criminel, pour changer un peu. Bah oui, en même temps, je sais plus combien de saisons il y a en tout. Dis Siri. Dis Siri. Siri est un bon à rien. Donc il y a 15 saisons d'Esprit Criminel. Ouh, donc j'ai le temps, je suis à saison 3. Donc vous allez entendre parler d'Esprit Criminel pendant plusieurs vlogs encore. Hein. Donc je vais faire ça, après je vais préparer mon couscous. Donc c'est un couscous rapide hein, avec des légumes surgelés. Ça va beaucoup plus vite que des frais, hein, je vous le dis moi. Mais voilà, c'est un repas pas cher, vite fait, et qu'on aime beaucoup, que je fais souvent. Du coup on adore le couscous. Du coup avec des légumes frais c'est juste pas possible parce que le temps de préparation est immense, il faut la journée pour préparer un vrai couscous aux légumes frais, donc puis le prix des légumes ça fait pleurer aussi, donc je pense que je vais vous le montrer, je vais essayer, il n'y a rien d'extraordinaire comme préparation, mais voilà. Sinon je crois que la journée sera déjà pas mal entamée. Donc là, je vais manger parce que j'ai la dalle. Je vais regarder la fin de mon épisode d'Esprit Criminel tant que mon montage enregistre. Et on passera après au couscous. Il y a Lilou qui est en train de me regarder, l'air de dire « Mais à qui tu causes ?» Voilà, et si vous entendez des bruits de cochon, c'est elle hein, qui dort. Il y a le chat qui est en boule là, à côté de moi sur le canapé. Bref, donc je vous retrouve après. Oui. Oui. Donc pour mon couscous rapide, bah je fais d'abord revenir de la margarine dans une casserole, forcément. Et je vais prendre ces légumes-là. Donc je ne sais pas si j'arriverai bien à vous montrer. Voilà, c'est des légumes pour couscous. C'est un mix.
vous avez un peu tout ce qu'il faut pour le couscous, mais pas assez de pois chiches à mon goût. Voilà. Et ça, Enzo d'ailleurs est mort de rire. Ah ouais, aussi, il n'y a pas assez de pois chiches. Oui, mais j'en ai pas. Ah, on va voir si on a encore une boîte là-bas. Où ? Dans la buanderie, je crois que j'avais encore une petite boîte de pois chiches. Bah, ça serait bien. Parce qu'il n'y en a jamais dans ces sachets. Le Saint Graal, il y en a deux. Mais il m'en faut qu'une. Ah merde. On va pas mettre deux boîtes dans une. Il n'y a pas de pochette dans le machin. Tu vas le laisser mijoter toute la journée? Bah l'après-midi, t'as vu l'heure qu'il est déjà. Enzo a trouvé le Saint Graal, comme il dit. Bah tu peux me les ouvrir et me faire égoutter. Bah m'ouvrir les trois boîtes et me faire égoutter les pois chiches. Non mais je suis en train de farmer là. Bah farm. Attention, Enzo le cuistot donne un coup de main à sa maman, il ouvre les boîtes de conserve. Oh, c'est vachement vieux, hein. La ville de rage, tu travailles, hein. Ça va, tu vas pas être trop épuisé après? Parce qu'il y a trois boîtes quand même à ouvrir, hein. Ouais, mais justement, c'est là que ça pose problème. T'es sûr, hein, tu vas tenir le coup, parce que j'ai pas envie que tu te froisses un muscle. Bah écoute, accident de travail, hein, tu me payes pas quand je serai au lit, hein. Bien sûr. Ensuite, tu mets donc les légumes. Alors je fais l'intégralité parce que souvent on mange deux fois avec. Deux. Ou trois. Ouais. Il faudrait que tu passes une pub pour moi, que tu me montres s'il y a des gens qui jouent à Seven Deadly Sins sur ta chaîne. Ça je vais faire plein de nouveaux copains. Allez, viens ici, tu dis. Parce que là je sais pas c'est quoi. Alors bonjour, je joue actuellement à Seven Deadly Sins sur le téléphone et je cherche des amis. Et ton pseudo, c'est quoi? Et mon pseudo, c'est... Je vous ajouterai... Si jamais vous l'envoyez à ma mère. Bah non, il vaut mieux que tu donnes ton pseudo et je le mette en barre d'infos. Ouais, mais c'est Ryukaza777, tu le mettras toi, du coup. Voilà, ceux qui jouent à son... Jeu de merde. Sa connerie, là. Je vous mets le... Ça m'étonne. Son pseudo en barre d'infos, au cas où. Voilà. Retour sur le couscous. Tu fais le présentateur... télé? Alors là, comme vous pouvez le remarquer, elle touille tout doucement, de sorte à ne pas casser les brocolis. Faut qu'il n'y a pas de brocolis dans du couscous. Mais tais-toi, il fallait pas le dire. Ça se trouve, c'est un couscous végétarien. Bah là, tant que je mets pas le poulet et la merguez, oui, c'est végétarien. Oui, bah justement. Ils peuvent mettre du brocoli, alors. On va rajouter... des petites bouboules. Oui, tout plein. Les petites bouboules, c'est les pois chiches, mamie Cachou. Tout de suite, hein. Non mais elle est obsédée la mamie Cachou. À ce point-là? Ben oui, parce que dans le vlog qui est sorti hier pour eux, je parlais de démonter le sapin. Je disais que moi j'enlevais juste les boules en fait et que le reste c'était papa qui démontait. Ah ouais. Mais elle a dit t'es tout de suite obligé de parler de boules. Bah ouais. Je mets deux boîtes de tomates pelées concassées déjà. Parce que normalement je mets un cube de purée de tomates, mais là j'en ai plus, donc on va faire avec ça. Un petit peu d'épices. Un petit peu d'épices de même. Sel. Sel, poivre. Non, pas poivre, c'est pas bon le poivre. Ah si, c'est trop bon le poivre. Un petit peu de persil. Bon, je vais quand même mettre un tout petit peu de poivre pour mes hommes, mais vraiment un petit peu, parce que moi j'aime pas ça du tout. C'est tellement bon. C'est dégueulasse. C'est tellement bon. C'est tellement bon, ça serait un crime de m'enfermer. De l'ail. Je vais mettre un petit peu de laurier, un tout petit peu de thym. Alors là, il est en train de chanter, on est ravis. Alors, il chante ce rêve bleu, on a l'impression que c'est Tino Rossi qui chante. Quoi ? Rien. Ensuite, je mets une cruche d'eau. Je mets des blancs de poulet. Donc là, j'en mets 4. Et une fois qu'ils sont cuits, je vais les ficeler, déficeler comme ça, pour faire des petits bouts. Les démanteler. Les démanteler, les assassiner. Ils sont déjà morts, maman, ils sont déjà morts. Bah oui, je sais qu'ils sont morts. Encore eux.
Donc je les ai pas décongelés, ça va rendre encore un peu d'eau, donc il faut juste que je couvre, que je mette pas trop d'eau en fait. Et ensuite j'ajoute les merguez. Ah merde, c'est du haché. Bon, du coup je vais mettre ma crotte de merguez comme ça dedans. Elles vont de toute façon se séparer en décongelant. Parce que j'ai mes trompées. Et je vais acheter de couvrir avec de l'eau. Bon, je vais mettre un petit cube de bouillon pour donner quand même un peu de goût au jus. Je couvre le tout et je laisse cuire à feu doux pendant quelques heures. Et après, il ne restera plus qu'à faire la semoule et le couscous. Il est exactement... Oh, des pubs. J'ai des pubs qui s'affichent sur mon PC. Il est exactement 10h, voilà, 9h56. Je suis rentrée vers 9h. Un peu avant 9h d'avoir été amenée les petits de mon frère à l'école. Du coup, j'ai ma nièce qui est revenue avec, puisque j'ai Enzo à la maison et qu'elle n'a pas cours, donc la plus grande. Donc là, ils sont en train de regarder des séries sur Netflix en haut. Je viens d'attendre qu'ils montent, hein, parce qu'ils n'arrêtent pas de causer depuis tout à l'heure. Donc j'ai attendu qu'ils montent pour vous faire un petit coucou. Je pense que je ne vais pas filmer grand-chose aujourd'hui, parce que la journée d'hier était très chargée. J'avais plus d'une heure de rush et j'ai fini avec 20 minutes de vidéo juste pour une journée. Donc c'est déjà pas mal. Demain, je pense pas que j'aurai le temps de vous prendre puisque c'est mercredi et que là, je dois emmener et aller rechercher les deux petits, les jumeaux de mon frère. Et comme je rentre, il est presque 9h et qu'ils finissent l'école à 11h. Et qu'après, je dois les garder jusqu'à ce que mon frère rentre du travail à 5h. Donc, j'ai un peu pas beaucoup de temps, vous voyez. Donc demain, je pense que je vous prendrai pas. Mais comme ça, du coup, comme il y a eu la longue journée d'hier, ça compense un petit peu... Voilà. Donc hier, j'ai rangé ici. Vous voyez, j'ai mis mes livres à la place, du coup. C'est pas mal. Je vais peut-être vous faire un zoom, si j'arrive un peu. Tu as fait le focus. Voilà. Donc, il y a mes Harry Potter en dessous. Twilight. Il y a les Christian Grey. Il y a les Métamorphoses de Erika Duflo. Voilà, Erika, si tu passes par là... Bisous. Enfin, je crois qu'elle me suit sur Insta, mais pas sur, sur YouTube. Bref. D'ailleurs, c'est une auteure canadienne que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Il faut que j'achète. J'ai pas fini d'acheter les Métamorphoses et elle a fait Rime. C'est une nouvelle saga. Il faut que j'achète tous ses bouquins. Mais je sais pas quand j'aurai le temps. Déjà, il faudrait que je relise un peu. J'en ai plein dès que j'ai pas lu. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Il y en a plein que je viens de voir, que j'ai des bouquins que j'ai pas lus ou des séries, que j'ai des sagas que j'ai même pas terminées. Il y en a que j'ai commencé plusieurs en même temps. Mais là, ça fait bien 2 ans que j'ai pas ouvert un bouquin. C'est atroce. Moi qui ai toujours été accro à la lecture, ça fait plus de 2 ans que j'ai pas lu. C'est un truc de fou. Bref. On s'en tape, hein. Bien sûr. Donc toujours avec mon petit café hein, habituel. Je vais encore devoir épicer toutes les 5 minutes. Donc, programme de la journée, je pense que je vais pas faire grand chose. Je suis épuisée, je suis crevée, je dors très mal en ce moment. Le chien, toute la nuit, a fait que tourner en rond, donc on l'entendait se lever, marcher, piétiner, se coucher, se gratter. À un moment, il s'est même mis à gueuler en plein milieu de la nuit parce que ma sonnette de la porte d'entrée bug. Et des fois, elle sonne alors qu'il n'y a personne à la porte. Forcément, à minuit et demi, vu qu'on a le couvre-feu, il n'y a personne à la porte. Mais du coup, elle. Des fois, elle sonne toute seule et ça a fait que je suis un peu mis de la nuit. Je suis vraiment ravie. Ma nuit a été... Enzo aussi qui a foutu le bordel. Enfin, voilà, quoi. Le bonheur. Du coup, j'ai quelques livres. J'ai fait un peu le tri de ma bibliothèque. J'ai quelques livres à mettre sur Vinted. Je vais peut-être faire ça aujourd'hui. Il y a principalement 2 After. Il y a 2 Trônes de Fer. Il y a les Chevaliers d'Émeraude que j'ai pas eu toute la série non plus. Il y en a plein des Chevaliers d'Émeraude. C'est une très belle saga aussi. Mais je les ai lus, mais en fait avec une copine, on achetait un tome chacune. Et une fois qu'on avait fini un tome, on se les changeait en fait. Donc du coup, moi je les ai pas tous. Elles non plus d'ailleurs. Et là, je vais les revendre puisque je les ai déjà lus et... Une fois, j'avais dit que je me referais bien la série, mais il faut que je rachète tous les bouquins entre. Alors, c'est un peu con. J'en ai encore plein à lire là, qu'il faut que j'achève. Donc, voilà. Sinon, le programme de la journée, je crois que ça va être du glandage devant Esprit Criminel.
changer. Parce que j'ai la motivation à rien. Je suis crevée. Je suis même en train de me demander si je vais pas redormir un peu, mais après, j'arriverai pas à dormir ce soir et c'est rebelote pour demain. C'est un peu galère. Voilà. Donc, si jamais il se passe quelque chose d'intéressant, je vous reprendrai. Sinon, on sautera directement à jeudi, je pense, parce que mercredi, je vous dis, demain, je pourrai pas vous prendre. Ça, c'est sûr et certain. J'aurai pas assez de temps. Jeudi, il y a DJ qui vient boire le café. Donc, je vous prendrai peut-être quand elle sera là. On verra si elle veut bien être. Se péter l'incruste encore dans le vlog. Après, je lui demande avant. Hein, je ne lui impose rien, puisqu'elle ne vient pas pour ça. Elle vient juste pour boire le café et pour qu'on discute. Et là, ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu. Donc, on va profiter au maximum. Donc, on verra bien comment ça se passe. Et voilà. Là, j'ai mis à enregistrer. Enfin, j'ai terminé d'enregistrer donc, la journée d'hier du vlog. Et voilà. J'avais rien d'autre à faire de spécial pour YouTube aujourd'hui. Il n'y a pas de vidéo qui sort, donc c'est demain. Ça me fait tout drôle de ne pas vous poster une vidéo par jour. Ça me fait tout drôle. Et bon, on se refera une vidéo par jour pendant une semaine à la semaine de la Saint-Valentin. Donc, quoi qu'il en soit, au pire, on se retrouve pour la journée. Là, il est exactement 7h34. Sam est parti à l'école il y a 15 minutes. Là, j'ai déjà fait mes soins. J'attends qu'il pénètre pour me maquiller, parce que... DJ vient boire le café, donc je vais me faire une petite beauté pour ma chérie. Voilà, voilà. C'est surtout que je me suis pas maquillée ni hier ni avant-hier. Je crois pas. Hier sûr, avant-hier je sais pas. Donc ça me manque. Voilà. Donc après je vais me maquiller. Il faut que je re-range un petit peu le bordel qu'ils m'ont refoutu depuis hier. Donc mardi j'ai eu ma nièce, la plus grande, qui est restée avec moi toute la journée. Et hier j'ai dû garder les jumeaux. Donc hier j'ai amené les jumeaux à l'école pour 8h30. Un peu avant, il commence à 8h25 et il finit à 11h05. Donc je suis rentrée, le temps de faire mon ménage, j'ai dû aller les rechercher et je les ai gardés jusqu'à 3h30. Il y a ma belle-sœur qui est venue boire le café en même temps qu'elle est venue les récupérer et tout ça. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas pris, je vous avais dit mercredi, ça ne servait strictement à rien, j'ai pas eu une minute à moi. Après, je suis restée sans chauffage toute la journée, les gars. J'étais en mode fichtig toute la journée. La vis sans fin du poêle à pelée ne tournait plus. Donc il n'y avait plus de pelée qui descendait dans le poêle. Et donc j'avais pas de feu, quoi. Donc vous imaginez mon désarroi. J'étais en train de mourir. Voilà. Donc mon homme a regardé à ça en rentrant du boulot. Il a réussi à me la décoincer. Là, vous l'entendez tourner certainement. Donc voilà. Je suis heureuse. Je suis joie. Donc là, je vais. Tant que mes soins épousent encore 15-20 minutes, j'avais brossé mes dents, me refaire un deuxième café parce que là, je me suis fait une petite dose puisqu'il faut que je lave mon grand gobelet. Je vais aller faire ça tout de suite. Il faut que je re-range un petit peu le bazar. Puis après, je vais me faire un petit make-up classique, tranquille. Et puis, je vais attendre DJ qui vient vers 10h30. Je ne sais pas si je vais vlogger tant qu'elle sera là. Hein. Ça, je lui demande toujours son avis d'abord. Je n'impose rien à personne, donc voilà. Sinon, Enzo repart chez sa copine tout à l'heure. Donc on va voir si ça s'arrange ou pas. Et il a un entretien d'embauche mercredi prochain. Donc croisez les doigts pour lui, mercredi le matin à 10h30 je crois. 10h ou 10h30. Il a un entretien d'embauche, donc on croise les doigts. Hein, mais j'ai jamais trop peur pour lui avec les entretiens d'embauche. Parce qu'il a la même grande gueule que sa mère, donc ça passe toujours crème. donc j'espère que voilà, on verra bien mercredi, mais on va croiser les doigts quand même. Demain, c'est le dernier jour de vlog, donc puisque demain on est vendredi. Demain, je dois faire ma vidéo de vendredi. Donc la rotation make-up que vous avez déjà vue. Hein. Enfin, bref, je raconte déjà n'importe quoi. Mais en même temps, je vous ai pas parlé hier, donc je me suis un petit peu ennuyée. Voilà. Il faut que je range mon coin là avec il y a plein de papiers pour les colis Vinted puisque j'ai refait une vente Vinted hier ou avant-hier qu'il faut que Chérie prenne avec demain pour aller l'envoyer. Voilà, ça, ok. Georges m'a refoutu un bordel pas possible devant la télé avec ses casques de PlayStation et ses manettes et tout ça, tout ça. Je vais essayer aujourd'hui de faire une petite pause esprit criminel pour regarder les Sabrina sur Netflix. Si j'ai le temps, parce que je sais pas si j'aurai le temps. Donc, je viens de finir de me maquiller. Voilà, il est 9h13. J'ai pas fait grand-chose à part me maquiller. Voilà. Je suis en train de regarder le deuxième épisode de Sabrina.
Alors, ce que ça donne, il n'y en a que 8, donc ça passe assez vite. Je pense que sur la journée ou en 2 jours, je vais les manger. Et après, je pourrais retourner à mes esprits criminels. Voilà. Donc là, il me reste encore une bonne heure à attendre DJ. Il faut que je redonne un petit coup de balai parce que là, je viens de voir que le chien a une touffe de poils ici. Comme chérie a regardé au poil à pelet, il y a un peu des pelets qui traînent à droite à gauche. Donc, je vais rebalayer un petit coup ça. Ah, mais je vais vous montrer, j'ai un nouveau joujou. Je vais vous montrer ça. Et voilà, donc là j'ai utilisé la palette Cardi Bible. J'ai pas fait grand chose, hein. Je vais vous montrer de plus près peut-être. Aïe. Voilà, très soft. J'ai mis les paillettes dans le creux et sous le liner. Ce sont ces petits roses que j'ai eu dans le calendrier de l'avant H&M. Donc voilà, c'est assez simple, assez soft. Mais comme demain, je pense que je vais me maquiller en vert. Aujourd'hui, j'avais pas envie de me casser la nénette. Et ça passe crème. Et sur les lèvres, j'ai mis le Angel de chez MAC, puisque j'essaye de le finir dans mon project pan de l'année. Sinon, il y avait encore un truc que j'avais envie de vous dire. Mais, ah oui, je viens de recevoir un mail de la part de Stylvana pour un partenariat. Donc, pas intéressé, le dropshipping. J'aime pas ça. Voilà. Donc non, j'en ai marre de recevoir ce genre de mail. J'ai enlevé mon adresse mail de partout pour pas qu'on puisse m'envoyer ce genre de mail. Justement, moi, on trouve quand même pour m'en envoyer. Je sais pas comment ce qu'ils font. Je sais pas. Donc voilà. Bref, je vais vous montrer mon nouveau joujou. Donc voilà le nouveau joujou que Chérie m'a ramené du boulot. C'est une nouvelle de chez Gusto. Alors c'est pas une qui fait les doses. D'ailleurs, ça m'arrange parce que comme moi, je fais dans mon demi-litre, là, ça m'arrange. Et elle est assez sympa visuellement. Elle n'est pas très pratique à remplir, par contre. Donc là, j'ai une cruche ici prête pour remplir au fur et à mesure le réservoir pour ne pas devoir enlever tout le socle. Et voilà, donc il a payé 20€ la machine plus 80 capsules. Donc là, il a pris deux machines avec 2x80 capsules. Je vais vous montrer qu'il a eu dans une boîte. Je vais peut-être dézoomer un peu là, non? Qu'il a eu dans à chaque fois les 80 capsules dans une boîte comme ça. Donc ça c'est génial parce que ça fait de la récup pour ranger. Et voilà, j'ai plein de capsules. Donc vous avez des longos, il y a des cafés au lait, des expressos, j'ai certainement donné quelques-uns à mon frère, des latte macchiato, des cappuccinos. Je crois que c'est à peu près tout. De toute façon, le principal c'est qu'il y avait des cafés au lait. Voilà, c'est pas mal. Donc là, je pense que je vais me faire un cappuccino, mais je vais me faire dans un format normal de café. Hein. On va pas exagérer non plus. Donc je vais l'allumer juste ici. Voilà, on enlève la capsule. Je mets d'abord le lait. Après, il faut que je trouve une dose de café. Ah bah, il y en a une juste au-dessus. Donc ici, vous pouvez régler la hauteur pour votre tasse. Il faut juste que je trouve comment faire. Je crois qu'il faut la tourner, l'enlever entièrement et je sais pas. C'est pas lui il a trouvé tout de suite comment faire, moi j'ai pas trouvé. C'est pour la hauteur de la tasse en fait. Ah voilà. Non. Je sais pas comment ce que lui il a fait pour le faire tenir. Bref, on s'en fout. Je vais me faire dans une petite tasse puisque ma Yoda, je l'ai mis en haut en déco dans mon bureau en fait, en fond de vidéo. Voilà, donc moi je fais tout au pif, hein. Puisqu'il n'y a pas les doses. Normalement c'est qu'une dose de café, mais moi j'aime bien quand il y a plus de café. Donc je fais à peu près moitié-moitié en fait, les cappuccinos, latte macchiato, ce genre de choses. La dose de café. Maintenant, il faut que je lave l'ancienne et que je la détartre avant de la ranger. Mais voilà, je sais pas, je la trouve très, très esthétique, elle est très jolie, j'aime bien. Ah, vous ne voyez pas bien. C'est mieux, là. Voilà. Donc, Daisy vient de partir. Je ne suis pas centrée, hein, on s'en fout. Daisy vient de partir, donc je ne vais pas filmer, finalement. Voilà, je n'ai même pas pensé à demander. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, enfin 15 jours, voilà, mais ça fait une éternité. Donc du coup, je n'ai pas pensé à lui demander si elle voulait bien que je vlogue avec elle et tout ça.
Parce que on a profité, on a rigolé, voilà, on a bien papoté. Elle est restée là 2 heures, comme d'habitude. Et elle revient la semaine prochaine, de toute façon, donc, vous la verrez très certainement la semaine prochaine. Et voilà, on va attendre de voir ce que ça donne pour le confinement, pour refaire une petite vidéo ensemble. Hein. On a hâte aussi, mais comme je vous l'ai dit, quand elle vient, on se fait pas de bisous, on respecte les distances de sécurité malgré qu'on boit le café ensemble. Donc, on va pas aller se coller l'une à l'autre dans le bureau pour faire une vidéo. Hein. Donc, on n'en fait pas pour le moment, ni les lives. Mais ça reviendra après le confinement et tout ça, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres avec des J. Hein. On aime trop les faire ensemble. Donc voilà, voilà. Sinon, là j'attends, le grand est à la douche. Après il part chez sa copine, donc là je vais manger un bout. Je vais réchauffer les pâtes d'hier. Je vais manger un bout. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, après, il faut que je fasse tourner ma machine. Donc là, c'est le gros problème parce que, comme je vous ai dit, ça déconne. Et du coup, les plombs risquent de sauter. Donc, il faut que j'attende que le grand soit parti et que je puisse éteindre le maximum de choses. Laisser juste la lampe, le PC et le poêle à pellets allumés. Comme ça, j'ai rien d'autre d'allumé. Et en espérant, en croisant les doigts pour que ça ne saute pas, n'est-ce pas? Et voilà. Donc là, je vais aller manger en achevant l'épisode de Sabrina que j'avais commencé avant qu'elle arrive. Et je crois que ce sera déjà pas mal. Je crois que j'ai rien d'autre de prévu aujourd'hui. Bon, bah, je vais aller manger. Je crois que ce sera déjà une bonne chose de faite. Et répondre à mes copines, Amy et Manon, qui est en train de me blablater en même temps que j'étais en train de blablater avec DJ. Donc, du coup, j'ai pas encore eu le temps de leur répondre. Et puis voilà. Bon. J'ai oublié de vous montrer, hier j'ai reçu un colis AliExpress. Donc j'avais commandé 2 vernis Elite 99 parce que je les aime beaucoup, ils sont vraiment pas chers et c'est de la bonne qualité. Donc j'ai reçu un Elite 99 et ça. C'est la marque Clavuse, je connais pas du tout, du tout, du tout. Mais la couleur a l'air sympa, hein. Je peux pas dire le contraire, c'est la couleur du vernis, je vais vous montrer. Voilà. Mais vous allez voir que c'est exactement la même couleur que l'autre. Donc là, c'est, je vous marque la référence. Je vous montre la référence. Voilà. Et voilà. Bon, celui-ci est un peu plus marron. Quoique, mais c'est même pas les deux mêmes teintes en fait. Faut que je le swatche celui-ci. C'est pas les mêmes teintes. C'est la bonne référence, j'ai été vérifié, hein, le vrai Elite. Ah non, c'est pas les mêmes teintes. Bon, bah, l'autre, je le testerai quand même, hein, je vais quand même faire un swatch. Là, j'ai ma machine qui est en route. Dans 2h10, elle est terminée, en espérant que ça ne fasse pas sauter les plombs. On va voir. J'ai mangé, il est 13h05 en fait. J'ai mangé, donc c'est Georges qui a préparé ma gamelle pour aujourd'hui. Et je crois qu'il a cru qu'on était à deux comme moi. Et voilà. Pour demain, j'ai préparé ma petite palette Good Money pour me maquiller, pour faire la vidéo de demain, qui est donc celle que vous avez eue vendredi. Non, c'est celle de mercredi qui vient, la rotation make-up. Je sais plus. Ouais, c'est celle de mercredi qui vient, la rotation make-up. Plus quelques petits produits Project Pan encore que j'ai rajouté par rapport à celui de fin d'année. Donc voilà, ça fait longtemps que je me suis pas maquillée en vert quand même, faut pas dégonner, hein, j'ai le droit. Et j'ai hésité entre la Blood Money et la Baby Yoda, comme d'habitude. C'est les deux, en ce moment, c'est les deux palettes que j'ai tout le temps envie d'utiliser. Donc voilà, là je me suis dit, je vais utiliser la Blood Money aujourd'hui, enfin demain. Je vais dérocher ce que j'ai déjà filmé pour aujourd'hui parce que je vais dérocher, voilà. Je sais pas si je vais vous reprendre encore aujourd'hui, j'ai rien d'autre à vous dire de particulier. Après, on n'est pas à l'abri que je vous reprenne juste pour papoter, hein. Voilà, ma blablate à moi, hein. On ne me refera pas. Une fois que je commence à discuter, je ne m'arrête plus. Donc là, je vais continuer un petit peu Sabrina. Je vais aller chercher ma lampe UV et des... Vous savez, les anneaux qu'on met ici pour les swatchs, des vernis, mon top coat. Et je vais faire ça pendant que j'achève les aventures de Sabrina.
Et voilà. Du coup, j'en suis qu'à la fin de l'épisode 2. Hein. J'arrive pas à avancer. J'arrête pas de faire pause pour ceci. Ah, je suis au milieu de l'épisode 2. Je fais pause pour faire ceci. Bon, il y a eu la visite de DJ et j'ai commencé que ce matin, c'est vrai. J'ai regardé un épisode et demi depuis ce matin. Est-ce que c'est bien ou pas? Pour l'instant, ça reste sur la lignée des nouvelles aventures de Sabrina. Il n'y a rien qui change par rapport aux autres saisons. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils préféraient la saison 3, enfin cette partie-là, à la saison précédente. J'attends de voir la fin. Après, il y a que 8 épisodes, donc ça va assez vite. Mais c'est vrai que mes esprits criminels me manquent aujourd'hui. Mais je vais quand même essayer de finir ça pour pas être à la ramasse, quoi, si on en parle. Voilà. Je vous raconte n'importe quoi, hein, mais c'est parce que j'arrive pas à m'arrêter de parler. Oh, c'est grave quand même. Pour un coup de café, t'es tout. Faut que je dise à mes hommes aussi de ranger leur bordel sur la rampe d'escalier là. Vous voyez ? C'est le nouveau porte-manteau. Là, c'est le sac ici, là. C'est le sac avec les colis vintage que Chérie doit prendre demain. Et là, c'est le chat qui dort à la place du chien. En bouboule. Ils sont tellement motivés dans cette maison. C'est un truc de fou. Enzo est reparti chez sa copine, donc soi-disant pour discuter, mais il a repris sa télé, sa PlayStation, son sac avec ses vêtements. Il me prend pour une bille. Je crois que je suis née de la dernière pluie, lui. Comme si j'avais pas compris qu'à peine il va retourner là-bas. Hein ? C'est jeune. Est-ce que j'irai pas à la douche maintenant aussi, ou j'attends encore un peu? Ça me fait une tâche, mon bronzer, on dirait, avec le spot là. Vous avez vu? Je fais une tâche là. Pourtant, ça fait pas ça, hein, je vous jure. Hein. Mais pourtant, je suis en éclairage neutre et au minimum. Essence, ça veut pas. Ah, c'est un peu mieux. Par contre, il y a une petite trace sur mon objectif où je rêve. Attendez, je vous nettoie. Non, c'est bon. Vous êtes propre. Donc, il est 16h16. Ouh, la bonne heure. Donc, j'ai mis mon écharpe, j'ai remis mon gilet pilou-pilou parce que je suis en mode fichtique. J'ai pendu ma machine qui est enfin terminée. L'électricité a sauté, bien évidemment. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Il va falloir vraiment qu'on change cette machine. Mon homme l'a démonté complètement et il avait vu qu'il y avait une vis qui avait cassé, donc on pensait que c'était à cause de ça, que ça pouvait faire un faux contact ou quoi, mais ça saute toujours. Donc écoutez, dès qu'elle sort, elle fait sauter les plombs de la maison et peu importe en combien de tours je la mets, ça change rien. Donc le poêle s'est éteint, j'ai dû attendre que la machine se termine après avant de pouvoir le rallumer. Il a mis du temps à se rallumer. Enfin bref, je suis surgelée. Donc là, je suis en mode pilou-pilou, écharpe et boubou la bouillotte que vous commencez à bien connaître, n'est-ce pas? Et je vais attaquer le montage du vlog de cette journée-ci. Mais je voulais vous reprendre un petit peu parce que je m'ennuie après vous déjà. Et voilà, comme ça, demain, je vais laver mes draps. Oh, que caca. Oh, ça va encore sauter. Ça me fait déjà chier, rien que d'y penser. Je sais plus quoi faire. Donc là j'ai pendu ma machine, il y a mes houppettes qui sèchent, donc demain, je pense pas qu'elles seront sèches pour demain, il faudra que je me poudre la face au pinceau. J'ai lavé mes éponges, comme ça elles sont bien propres. Et voilà. Je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. Je voulais juste discuter un petit peu avec vous avant de couper cette journée de vlog. Je rebois encore une fois un café et j'ai de nouveau envie de pisser. Quel bonheur, quel bonheur. Demain, donc je tourne la vidéo de mercredi, hein, la rotation make-up. Je m'annoche avec le café maintenant. J'aurai pas grand chose à vous partager demain. Donc je pense que la journée de demain sera assez courte, question vlog, puisque je dois tourner la vidéo, il faudra que je fasse le montage, parce que je crois que vous savez que c'est ma hantise, hein. Je tourne, je monte, sinon je perds mes rushs, enfin je les supprime, hein, je les perds pas, ils se sauvent pas de mon PC, hein, c'est moi qui fais une connerie, mais voilà.
Des fois, j'ai tellement la tête ailleurs que je supprime des rushs en pensant avoir fini le montage, avoir publié la vidéo. Ça m'est déjà arrivé de virer une vidéo que j'avais enregistrée tout le montage, que j'avais passé des heures dessus, et au final, je me suis rendu compte que j'avais oublié de la poster d'abord. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Donc là, demain, je vais faire absolument cette vidéo-là parce que, grande nouvelle qui ne nous arrange pas du tout, hein, c'est que Chéri est en congé le week-end, la semaine prochaine. Donc ça veut dire qu'il va squatter le salon et que j'aurai beaucoup de mal à parler avec vous au calme. Puisqu'il sera soit affalé dans le canapé à regarder la télé qui va gueuler, soit en train de cliquer sur sa souris, sur son jeu, soit en train de bricoler quelque part, qui risque d'être un peu plus rare que les deux autres propositions. Mais du coup, je vais devoir vous prendre plus dans mon bureau demain, enfin la semaine prochaine, ça sera le vlog principalement dans le bureau, je pense. À moins qu'il sache rester calme, je doute. Il adore quand j'appuie sur le bouton enregistrer, commence à sortir des conneries derrière. Vous pouvez demander à Amy, dès qu'elle m'appelle, il sort des vacheries derrière, hein, tout de suite. Mais on va voir comment s'il se tient un carreau. Vous laissez pour aujourd'hui là-dessus, hein, sur la petite papote en mode mamie gelée. Et on se retrouve de toute façon demain pour la fin. Walking on a straight line through the madness. Everything around me, oh, it fades away. Ok, coucou. Je me suis foutu un truc dans l'œil. Je vais peut-être remettre mes lunettes hein, pour le vlog. J'ai pas besoin d'être sans lunettes. Donc voilà, je viens de terminer de vous tourner une vidéo et un make-up que vous aurez plus tard. Je vous en dirai plus plus tard. Voilà. J'ai froid. Je suis absolument surgelée. Mais je vous jure, hein, c'est un truc de fou. J'ai les carreaux dégueulasses. Oh, j'ai toujours les carreaux dégueulasses. Donc là, je vous ai tourné la rotation make-up de mercredi. Il y a quelques produits Project Pan qui se sont rajoutés. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai donc à faire aujourd'hui? Vous avez vu que ce matin, on avait notre petite routine, notre petit rituel avec ma folle Amy. Donc voilà, dès qu'on peut, on s'appelle un peu le matin, tant qu'on fait nos soins, ou que je fais mon teint, ou des choses comme ça, et puis on papote. C'est sûr que pendant qu'elle était confinée, on s'appelait beaucoup plus que maintenant. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. On est resté 80 minutes au téléphone quand même, hein. Enfin on appelle. Hein. Donc là, programme d'aujourd'hui, ben, pas grand chose, encore une fois. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est un peu tout le temps la même chose chez moi. Là je dois ranger absolument mon bordel. Je vais vous montrer après le bordel que je fais quand je fais une vidéo, c'est un truc de fou. Et faire le montage de la rotation, enfin de la vidéo, commencer celui du make-up peut-être, comme ça j'ai mes rushs qui traînent. Et je pense que la journée sera pas mal. Je vais pas faire grand chose aujourd'hui, je pense pas, à part me réchauffer le cul. Qu'est-ce que j'avais prévu? Je crois que j'ai rien d'autre de prévu. À part, ouais, vraiment, c'était les vidéos aujourd'hui la priorité. Sam finit l'école, enfin, genre, je finis l'école plus tôt. Donc, il rentre vers 3h aujourd'hui si ma belle-sœur le ramène. Sinon, il rentre toujours à la même heure puisqu'il n'y a pas de bus avant. Hein, voilà, chez nous, on habitait à Cambrousse, hein, les bus passent pas. Après, il faut que j'aille à la douche, que je lave mes cheveux. Quoique, je ne sais pas si je vais laver mes cheveux aujourd'hui, vu que j'aimerais bien faire ma colo ce week-end. Dimanche, je pense que je vais faire ma colo. Donc, je ne vais peut-être pas laver mes cheveux aujourd'hui. Ils resteront un petit peu gras. Ils sont même pas gras, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai pas les racines grasses. Mais j'ai l'impression qu'ils sont sales. C'est une hantise, une fois que je ne les lave pas tous les X temps. Alors, je les lave que normalement une ou deux fois par semaine, hein.
Et si peu que je louperais un jour, j'ai l'impression qu'ils sont dégueulasses. Mais pourtant, c'est pas le cas du tout. Et là, comme je les ai lissés, en plus, j'ai pas la même sensation dans mes cheveux. Donc, bref, on s'en fout de mes cheveux, c'est pas le sujet. Hein. Donc, je vais tantôt aller à la douche, ouais, mais je vais pas laver mes cheveux. Comme ça, je ferai ma colo dimanche. Comme ça, lundi, pour le prochain vlog, lundi, vous me retrouverez avec des racines. Je vais regagner 10 ans, là, en camouflant mes cheveux blancs. Et là, je vais aller me refaire un café pour me réchauffer et faire pipi comme d'habitude. Mais comme j'ai déjà bu un litre de café depuis ce matin, là, il est 10h20 pour info. Donc voilà, là, je vais ranger le bordel pour commencer. C'est un truc de fou. Et puis, je vais pouvoir redescendre des rochers, attaquer le montage, je pense. C'est beau le fard à paupières que j'ai sur le nez en annihilateur. C'est très joli. Donc là, j'ai mon montage qui est en train d'enregistrer le montage de la vidéo de mercredi. Je suis en train de faire chauffer la friteuse pour manger. Je vais manger encore mon repas le plus équilibré au monde que j'adore, des croquettes de fromage. Voilà. Je suis complètement gelée, j'ai dû remettre mon écharpe. Je n'en peux plus, je suis frigorifiée, je vous jure, c'est un truc de fou. La Chico aussi, elle est frigorifiée, elle a sa tronche devant le poêle. Et hop, elle laisse la place au chat. Non, mais ils sont pas nets, ces deux-là. Mais Lilou, qu'est-ce que vous faites? Je peux savoir ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites tous les deux? C'est la bagarre pour le coussin devant le poêle? Non, mais. Hein, Momos? Ça va, mon Momos? Ça va? La vie est belle, tranquille, mimille, ça a l'air. Mes cheveux ne me respectent totalement plus, j'en ai marre. Ils partent dans tous les sens. Je vais faire ma colo ce week-end, donc ça ira mieux. Et voilà. Donc là, j'attends que mon montage s'enregistre. Je vais regarder la fin de l'épisode de Sabrina que j'ai commencé ce matin en faisant mon teint. Et voilà. Donc je vous reprends un petit peu tout à l'heure, mais je pense que la journée sera relativement courte. Hein. On va voir ce que ça donne. Ah, il est 14h10. Je viens d'aller faire une sieste de grand-mère. Voilà, je suis épuisée et je suis gelée. J'ai remis mon pilou-pilou et j'ai rattaché mes cheveux pour aller dormir. J'ai mon peignoir sur les genoux, ma bouillotte et je suis complètement gelée. J'arrive pas à me réchauffer, c'est un truc de fou comment... J'en ai marre d'être un vrai fichtique, j'en ai marre. Bref. Donc là, je crois que je vais conclure. Non, je voulais dire clôturer et continuer en même temps, je crois. Enfin, je sais pas. Ça a donné. Dans ma tête, ça a donné un truc chelou. Je vais conclutiser. Je crois que c'est ça que j'allais dire. Hein. Conclutiser. Alors, je me suis réveillée. Parce que quand je tousse, j'ai un goût de vomi dégueulasse dans la bouche. C'est infect. Ah, oh, c'est écœurant. Et c'est ce qui m'a réveillée d'ailleurs de ma sieste. Bref. Donc là, je vais aller me démaquiller. Je vais attendre de voir si Georges rentre à 2h30 ou s'il rentre qu'à 5h. Enfin, ouais, à 4h30, 5h avec son père. Et je vais aller à la douche.
Comme ça, je suis tranquille pour finir ma journée. C'est quoi qui est après mon truc là, c'est pas ça, là. Comme ça, je suis tranquille pour terminer ma journée à rien faire, en fait. Je vais me reposer encore un peu, enfin, me reposer, entre guillemets. Hein. J'ai encore un montage à faire, poster, programmer la vidéo de mercredi, ce genre de choses. Donc, rien de passionnant pour vous, rien de passionnant... Enfin, si, c'est passionnant pour moi, mais pas pour vous, en fait. Attendre mes hommes... Et puis la journée ça a déjà presque fini. Ce soir je sais même pas ce que je vais faire à manger. J'ai envie de faire du poisson avec de la purée, mais j'ai tellement une flemme incroyable que ça sera un truc vite fait, je pense. Il me reste une boîte de vol au vent, je crois que je vais faire ça avec du riz. Je vais faire pipi, hein, mais rien que le fait de penser que je dois enlever toutes mes couches et me foutre cul nu, j'ai trop froid. Donc je crois que je vais me retenir encore un peu. Donc, on se retrouve mercredi avec la vidéo rotation make-up, vendredi avec le swatch and make-up de la Just My Look de Colourpop, de Chic, j'allais dire, non, de Colourpop, et dimanche avec le prochain weekly vlog, toujours à 18h. Il n'y a pas de live samedi prochain, enfin, ouais, samedi prochain, puisque vous en avez eu un ce samedi pour vous. Et voilà, donc ça vous donne le programme de la semaine prochaine. Est-ce que c'est ce lundi-là? Non, je ne sais pas pour ce lundi-là, la vidéo. Je vous prépare une petite vidéo bonus un lundi sur deux, mais ce n'est pas encore pour à partir de ce lundi-là. Attendez, hein, ça se met en route. Bon, je regarde mon agenda. Donc non, ça sera à partir du lundi 18. Un lundi sur deux, vous aurez une vidéo bonus. Voilà. Vous verrez bien. Et donc, moi, je vous retrouve de toute façon demain pour moi en live. Vous, c'est déjà passé. Et on se retrouve mercredi, donc en vidéo. Donc, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si jamais ce vlog vous a encore plu. À vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne par hasard. C'est gratuit, ça coûte absolument rien. Ça me fait super plaisir et ça m'encourage. Donc, on est content. Et en attendant, mercredi pour la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous.